Eh bien, morning good people, c'est Pidou, bienvenue dans le Pinot Time, on est sur Seminars, voire sur le compte d'OKC Tender. Euh, OKC okay, Tender, je ne sais pas <laughs> comment on prononce, mais en tout cas, on est sur son compte. Euh, voilà. on, on peut voir, hein, on peut admirer qu'il y a euh, de, de, de très belles choses, hein. déjà rangées ici, par ici. <laughs> euh, on, a, on a pas mal de choses sur le compte. Euh, franchement, belle petite progression j'ai pu euh, avoir la chance de regarder un petit peu le compte comme ça et euh, franchement euh, je suis euh, euh, vraiment surpris le, le compte est vraiment pas mal on a pas mal de monstres encore 35 euh, mais, euh, mais ok donc on m'a demandé une, une review dessus un petit peu pour, voir, pour pouvoir parler un petit peu du niveau du ruinage on a plusieurs monstres qui sont ruinés plus plutôt correctement hein, j'ai envie de dire donc euh, bah écoutons on, on, on va commencer là dessus euh, on aura un petit wish à faire bien entendu une semaine là dessus les amis euh, voilà on a de la place à l'entrepôt donc c'est plutôt cool on a une jolie de petite Ozzy qui est là ah là là là, là. il faut en parler de tout ça hein il faut en parler on a une jolie semaine qui sera euh, qui sera la 114 vélan mystique avec 4 la, euh, 4 légendaires et 7 euh, light and dark euh, franchement on, on est plutôt on est plutôt bien on est plutôt bien euh, ok 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 bah écoutez bah c'est parti on va ramasser juste la mana voilà ok euh, on a quoi sur ce compte on a déjà plusieurs choses qui sont plutôt euh, plutôt cool on se retrouve avec. Euh, ouais, Je vais ranger comme ça par grade. ça sera comme euh, mieux. On pourrait ranger par attribut pour voir un petit peu les monstres. Mais euh, on va ranger par grade parce que les 6 les étoiles max sont, euh, sont en haut. Ce sera mieux. Ok. Donc, au niveau de Megan. Euh, bah, Megan, voilà. Vitesse, PV, précision. Pour moi, euh, on, est, on est dedans. Ça dépend où tu voulais l'utiliser. Mais pour moi, on est dedans. Et ça peut très bien fonctionner. Je voulais regarder un truc avant de commencer, vraiment. Euh, c'est dans profil je voulais voir un petit peu ah, c'est trop bien les moines bestiales qui sont là et tout c'est trop top euh, oh la guilde qui s'appelle pas le temps c'est lourd ok donc je voulais voir un petit peu donc ok en arène on en est là euh, ok combat de kill, combat d'occupation ok d'accord voir le boss c'est lui à moins c'est le meilleur score c'est plutôt cool euh, on a la TOA qui est terminée la hard on est au 47 ok il y a une team qui est pour le GB, pour le DB, pour le Necro, c'est bien. Tu es en train de commencer à farmer aussi euh, les bêtes euh, de rift élémentaire, c'est plutôt bien. Tu farmes tous les donjons sauf le haut de l'haul de le hall de haut euh, à l'étage 8. Ok, c'est peut-être juste une question euh, de temps pour, euh, pour le faire. Hein, parce que je pense que là clairement on a, on a vu que tu avais plutôt, plutôt bien les monstres, donc c'est plutôt, euh, plutôt cool. Plutôt cool. Euh, en GB, ok. Double Lucien Galion, Théomars, C'est très bien. Franchement, la, la team, pour moi, elle est, elle est bien. Ça fonctionne. Euh, tu pourrais remplacer, si tu le voulais, plus tard, un, un de tes par un Tark, Ce serait pour gagner quelques secondes. Euh, rien d'extraordinaire, mais c'est juste pour gagner un peu quelques secondes et du coup, euh, farmer un peu plus vite. Mais déjà, on est à 1 minute 13. Moi, je trouve que c'est un temps plutôt, plutôt correct, plutôt raisonnable. Au, au DB, tu as un Verde, Veromos, Megan, Sigma, Beladeon. Ok, j'ai vu dans ton stock que tu avais un chilling. Euh, c'est une très bonne solution au début hein, d'utiliser Chilling, euh, parce qu'on peut le runer en Swift en fait, et euh, ça nous apporte euh, quand même un strip qui est là, qui est bien présent. Donc on met le chilling en vitesse dégâts crit attaque ou vitesse PV attaque. Du coup il va pouvoir tanker, il va pouvoir euh, stripper le boss, pouvoir faire des dégâts aussi. C'est plutôt cool. Donc euh, je, je pense que voilà, on va en reparler bien entendu. Euh, après le Nécropolis, c'est l'étage 8, j'avais pas vu. Euh... Ok, tu utilises déjà Boomerang, Chakram, tout ça. Euh, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il y a un euh, Ok. Euh, peut-être plutôt partir sur une team un peu plus classique. Peut-être. Peut-être, peut-être. Euh, ah, le Woussa, c'est un monstre ami. Ok. Euh, peut-être un peu plus classique. Ça pourrait euh, peut-être t'aider. Ensuite, on a les élémentaires. Euh, voilà. Bon, tu commences. Tu fais du R4 aussi. C'est plutôt bien. Euh, ok. Ok, ok. C'était pour me faire un peu aussi une petite visu dessus. Est-ce que tu as, tu as un DIAS Ok, pour le R4, tu vas pouvoir monter ton DIAS assez facilement, du coup, euh, pour pouvoir le faire euh, front euh, avec des stats plutôt bien. Def, def, PV, oui. Pourquoi pas. Ou PV, PV, def. Ça marche, ça marche très bien. Le but est d'être au-dessus des 25 AHP et d'avoir euh, entre 1002-1004 de def. C'est très bien. C'est très très bien. Là, tu es à 1100 de def. Euh, il peut fronte facile R4, mais pour l'optimiser, à monter un petit peu, euh... bah, là tu as juste à maxer les runes en vrai. Hein. En maxant les runes, ça va, ça va... il va réussir à le fronte et puis tu le passes six étoiles et il va fronte le R5 assez facilement du coup. Euh, en tout cas dans mon sens, hein, voilà, il est là pour tanker donc on n'a pas besoin de vitesse dessus. Euh, la résistance, il faut lui mettre les 70 quand même, hein, de... c'est le mieux. Mais euh, voilà, ok, j'arrête de m'éparpiller, on commence un petit peu dans l'ordre, on a la Mégane donc, une Mégane qui est plutôt cool en vitesse pV précision elle a un peu de vitesse pour moi elle est pour moi elle est bien euh, tu t'en tu sers en, en db donc euh, pour moi pour moi c'est validé euh, j'ai pas trop de, de choses maintenant la Megan tu pourrais très bien faire en sorte euh, comme tu as de tu pourrais très bien faire en sorte de, euh, euh, de la rendre encore plus rapide et ce qui pourrait euh, ce qui pourrait fortement aider. Euh, plus elle est rapide mieux c'est, tu pourrais la sortir en arène, tu pourrais la sortir en gvg aussi euh, beaucoup plus facilement euh, donc voilà quitte à négliger quelques autres stats pour gagner beaucoup de vitesse pour moi c'est euh, envisageable. Il y a une Amelia qui est là euh, Amelia, j'ai pas eu la chance d'essayer ou de, ou de voir euh, tout ce que je sais c'est que quand on lit ses compétences on sait que euh, plus elle a de pv elle va faire des dégâts et euh, quand on la transforme euh, ses PV deviennent euh, sont réduits pour euh, augmenter la vitesse d'attaque et l'attaque je crois quelque chose comme ça euh, tu peux utiliser la nouvelle compétence la vitesse d'attaque augmente selon le max de TPV, mais euh, les, euh, les max des PV se réduit de 30% après la avant récupère euh, directement un tour donc ok d'accord et quand après on la transforme du coup elle fait des dégâts euh, plutôt badass fait des dégâts plutôt badass, elle peut contrôler, stun et tout, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Moi je le trouve vraiment très très fort, Amélia. C'est cancer, ça, ça met une immunité un petit peu sur tout le monde et tout, donc là en def, euh, voilà, c'est plutôt, plutôt embêtant. C'est embêtant aussi en RTA, donc, euh, donc voilà. Euh, il va falloir l'accélérer, lui mettre plus de PV, euh, mais bon. Je pense que c'est euh, peut-être plutôt compliqué. Je verrais plutôt un violent dessus. Peut-être pourquoi pas. Ou alors. Euh, ou alors peut-être uh, cette protection. Protection Will. Ça, euh, ça pourrait être pas mal aussi. Mais là, elle est plutôt pas mal. Hein. On a du PV, on a un peu de vitesse. C'est pas, pas assez, il lui faudrait plus de vitesse, mais on, on, on commence à être plutôt bien, je pense, sur la Amélia. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. On a un Sigmarus aussi, euh, ok, qui est en fatal lame. Très bien. Attaque. Attaque. PV donc à mon avis tu l'utilises pas forcément que, euh, que en DB, tu dois peut-être l'utiliser aussi en TOA, quelque chose comme ça, parce que pour lui avoir mis une PV c'est qu'on a besoin qu'il tanque un petit peu. Euh, donc euh, oui. Après je pense qu'il faudrait essayer de partir avec les mêmes stats que tu as là euh, en mettant une dégâts crit, donc en gardant le, les PV, en gardant l'attaque. Euh, pourquoi pas la vitesse aussi ou voir le mettre un peu plus de vitesse les taux crit sont très bien et euh, comme ça on va extraire un petit peu les dégâts crit donc remplacer euh, c'était quoi c'est une pv l'attaque par, par une dégâts crit pour essayer de, de gagner les mêmes stats ça pourrait être plutôt cool galion waouh galion il est très bien galion il est plutôt bien euh, il est en swift ok donc il est il est, oui, il est, il est plutôt correct hein. il est plutôt correct il est ensuite en vitesse euh, pv précision il a les 100% de précision moi je valide. On n'a pas forcément besoin de Galion soit tout le temps en violent pour réussir à faire quelque chose de bien. Euh, on a surtout besoin qu'il s'asseal up. Et c'est le cas sur le 3. Euh, et sur. Ah, il faut... Il manque quelques, quelques, euh, quelques pirates. <laughs> il manque quelques pirates et franchement ça va faire l'affaire. Euh, il, sera, il sera plutôt bien. Il est, il est tanky. Euh, il lui faut un peu plus de def. Euh, la vitesse en Swift, il lui en faudrait plus, mais... En vrai, là, il peut être joué sur, sur tout le mode PVE. Donc euh, moi, personnellement, je valide aussi euh, euh, un galion comme ça. Je crois que le mien est plus lent. Je crois que mon deuxième galion est plus lent, celui qui n'est pas en, en, en violent. Il est plus lent que celui-ci. Ensuite, on a Théo Mars qui est trop lent qui est trop lente mais qui est en violent d'accord ok donc ça doit être un des premiers sets violent que tu as violent revenge ok pour moi c'est une, une bonne idée euh, par contre il faut plus de vitesse je pense hein. il va falloir un peu plus de vitesse et euh, essayer de viser les 61% de taux crit. tu peux laisser les dégâts crit comme ça si tu arrives à garder l'attaque euh, si tu arrives à garder cette attaque et, et les pv il faudrait augmenter euh, la vitesse Ouais, franchement, la vitesse, et puis un petit peu euh, l'autocrit, mais, euh, mais voilà. Mais après, là par exemple, cette rune, c'est euh, une rune plutôt support. On a 14 de PV, on a de la reste dessus, de la def, flat, mais de la def quand même, donc euh, ouais. Une dégâts crit, ok après c'est ah, j'avais pas vu c'est des 5 étoiles aussi, il y a des 5 étoiles donc du coup oui donc tu vas être, tu vas pouvoir l'optimiser plutôt, plutôt bien le, le Mars mais c'est la bonne voie. En tout cas c'est la bonne voie, on est, on, est, on est dans le bon truc. On a un peu de PV dessus, on a de l'attaque, on a de la vitesse, on a de la def. Euh, il, a, il a quand même bah, presque euh, 1000 de def. Il a 1000 de def, euh, c'est quand même plutôt cool. Quoi. Il doit coller quand même des petites tatanes plutôt sympas, mais plus il a de la vitesse, mieux c'est, plus, plus il est facile à jouer. Ensuite, un petit spectra qui est ruiné euh, en swift, c'est très bien. Donc pour la TOA, ça peut servir aussi pour le, pour le DB10, euh, ça peut être intéressant. On a une colline euh, au okay, qui est en violent vitesse PV euh, def. Euh, plus de PV, plus de vitesse, plus de résistance et Elle sera parfaite en, en raid. On va viser les 24-25k euh, en PV. La def, euh, tu peux la laisser comme ça si elle est en bac, mais la vitesse, faut essayer de viser au-dessus des 196 de vitesse. Ça peut être ça, 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 aide énormément pour le R4, R5. Voilà. Tu as un petit barretta qui est là qui est trop lent. Il euh, y a les bonnes stats, mais il est trop lent. Tu peux lui retirer la précision aussi. Euh, 88 de précision, je pense que tu peux ne pas forcément l'utiliser. Euh, euh, autre part, quand Théo au, au début, euh, je suis pas sûr. Enfin après, c'est un leader skill de vitesse, donc peut-être que tu l'utilises aussi autre part. Mais euh, là, moi je montrais un petit peu, euh, je perdrais un petit peu de précision pour augmenter sa vitesse. Et euh, pourquoi pas lui augmenter un petit peu ses PV. Mais franchement, il est bien. Il est bien. Il est plus de vitesse et il est, il est bien. On a un Verdé qui est trop lent. Il est en violent PV euh, tocrit PV. Euh, il est trop lent, donc il faut falloir essayer d'aller chercher la vitesse en sub donc les stats sont, sont cool là, les stats sont plutôt cool, euh, on lui fait un peu plus d'attaque, mais les PV c'est bien, un peu plus de def pourquoi pas, pas forcément, mais plus, juste là, en fait il lui faudrait les mêmes stats mais avec plus de vitesse. Et là t'aurais un Verdé qui serait plutôt cool et du coup en, en DB euh, ça va grandement t'aider quand tu vas vouloir commencer à passer sur, des, sur, sur du speed speed quoi. Et là, ça va être plutôt bien. Surtout si tu le joues avec un chilling, euh, ça, tu vas commencer à avoir le, bé le bénéfice. On a une Wa qui est en vitesse, attaque, attaque. Ok, je valide. Euh, on a la vitesse. On a de la vitesse qui est là. 199 de vitesse, c'est très bien. On a de l'attaque. On a du PV. Euh, on a un petit peu de def. Mm, ok, on a même de la précision. Elle est bien. Pour raid, en tout cas, elle est très très bien. Euh, Peut-être un poil de PV supplémentaire mais franchement, euh, franchement, elle est bien. Euh, elle est là pour faire des dégâts, pour mettre le slow, pour baisser un petit peu la TB aussi. Donc c'est très, très bien. On a un Kmoon. Ouh, il est bien. Ouh, qu'il est bien. Il est en support, hein, full support. Euh, vitesse PVPV. -PV, il a de la vitesse. C'est très bien. C'est un leader skill de vitesse. Donc euh, t'es plutôt bien. Là, Là, t'es plutôt bien avec ce Kmoon-là. Pour moi, je le trouve, euh, je le trouve plutôt correct. Hein. Je le trouve plutôt correct. Euh... Ouais même au niveau... Euh, ouais 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 je le trouve plutôt bien. Je le trouve plutôt bien. Chasune. Chazune pour moi elle est en manque de vitesse là. Il faudrait l'accélérer. T'as les stats, c'est bien, t'as de la... T'as de des points de vie. T'as un petit peu de défense. T'as 78% de résistance. Pour moi, c'est très très bien. Dès qu'on a au-dessus des, des 70 de, de, de résistance, pour moi, une chazune est vraiment et commence à être vraiment euh, top. Et euh, il lui manque... Euh, euh, ouais, il lui manque un peu de vitesse quoi. En fait, il faudrait essayer de la faire tourner aux alentours des 190 pour pouvoir comboter avec plusieurs monstres sans trop de soucis. On est sûr de venir mettre le buff attaque au début ou de soigner, euh, de rejouer assez souvent. En plus, on est en violent, donc euh, si tu arrives à, à augmenter un peu sa vitesse, franchement, euh, si tu, ce, sera, ce sera une chose, ce sera plutôt bien. <laughs> la de flat, qui est tombée. ça <laughs> sera plutôt bien. Mais après, je pense que c'est le début aussi au niveau euh, du dragon, donc ça peut être un petit peu compliqué, et ça je le comprends. Ensuite, on a Luchenne. Ok, Luchenne qui n'a pas assez de Tokrit. Ah, Luchenne qui n'a pas assez de Tokrit. On est en attaque, dégâts, crit, attaque. Il euh, faudrait au moins 70% de Tokrit pour commencer à faire des dégâts plutôt corrects. Euh, parce que j'ai vu que tu avais un. Euh... Ah non, j'ai pas. J'avais cru voir un Enemysetti. Je... Bah écoutez, je, je deviens fou. Je pensais avoir vu un imie mais non. Mais du coup, euh, tu pourrais utiliser... Je crois que... Euh, elle c'est ça. 33% euh, de taux crit en, en lead. Je suis peut-être passé à côté d'un autre monstre. Mais euh, si tu la mets en lead, il euh, y a possibilité de pouvoir... Euh, des gros dégâts, hein. faire des gros dégâts avec un Lucien, mais il lui faut quand même plus de d'autocrit en fait. Euh, jouer un Lucien lent, ok, pourquoi pas. Euh, J'ai pas vu de Léo, donc ça doit être peut-être encore dur à des fois à sortir. Après, il doit faire le travail en tout cas en GB, parce que je crois que tu avais utilisé les deux Luciens en GB, donc là on a un deuxième Lucien qui est dans le. Oh, lui, lui il est pas mal. 70-180-180 dégâts crit, on perd un peu d'attaque, on est en quoi là On est en rage lame, ok, ok, ok. Donc est-ce qu'on va les runes. Euh, ouais. Ok. D'accord. Donc là il lui manque un peu d'attaque, mais euh, t'as du PV pour pouvoir résister un peu aux attaques en arène. Donc c'est plutôt bien. Ce ci là est complètement dingue. Il est vraiment, il est vraiment pas mal. Quoi. Il doit faire euh, 8 k par carte, je pense, un truc comme ça. Et là, ouais. Là il lui manque un peu de tocrit, mais ok. Camamir, il faut lui mettre une vitesse en deux. Ok, vitesse dégâts crit attaque. Euh, pas forcément besoin d'un set en particulier, sauf le set volonté, euh, pour moi qui est vraiment très 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 important sur les Ifrites. Sur les euh, c'est ce qui fait un peu la différence et pas mourir directement. Il a un peu de point de vie, il a de l'attaque. Euh, mais maintenant, il, faut, il lui faut un peu plus de, de crit et des dégâts crit. Et tu vas voir qu'il va faire le café, surtout grâce à ce skill-là, euh, qui, 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 qui les dégâts augmentent de 30% pour chaque effet notif présent sur l'ennemi. Donc, c'est vraiment lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Ensuite, on a un Ritesh. OK, full sous le full PV, full PV pour c'est très bien. Il est en violent énergie, c'est très bien. Tu te retrouves avec 36 k. On commence à être, on commence à être bien. Il est juste trop lent. Donc plus de vitesse, les mêmes stats avec plus de vitesse, ton Ritesh, tu vas commencer à être vraiment content. En fait, plus il est rapide Ritesh et plus il fait un travail euh, qu'on aime. Donc euh, voilà, essaye de trouver plus de vitesse sur ton Ritesh et franchement, ça va, ça va cartonner. Garde les mêmes stats de PV. Si tu peux lui mettre plus de def, c'est encore mieux. Euh, tu peux négliger après euh, un petit peu le reste. La résistance, la précision, essaye d'en avoir un petit peu, c'est quand même bien. Et après, la vitesse et les mêmes stats derrière, je pense que ton vitesse, déjà, il va commencer à être plutôt bien. Parce que là, il sert un petit peu de pooching ball. Il est un peu lent, c'est un peu un camion. Donc, du coup, il peut prendre un petit peu de tarif et ça, ça pourrait être dommage pour toi. On a une Sira. Ensuite, une Syrah qui est en vitesse, qui est en PV, attaque attaque ok du coup du coup elle est un petit peu lente donc moi je te conseillerais si tu veux lui mettre des points de vide peut-être lui mettre peut-être plutôt vitesse attaque pv et d'aller chercher sur la sub les sur la sur la rune pv aller chercher l'attaque pour cent en sub et sur la rune euh, attaque pour cent aller chercher du pv en sub plus la vitesse, euh, parce qu'il lui faut quand même de la vitesse euh, et ça pourrait être bien. Donc du coup, il te manquerait un Bomber, là, en fait. Il te manquerait un petit Bomber euh, et ça pourrait rendre les trucs plutôt bien. Ça pourrait rendre les trucs plutôt bien. Ensuite, on a un Tozzi. Accélère-moi la, la Syrah. Franchement, accélère là et elle va, va être plutôt bien. Parce que c'est un leader skill de vitesse, on a besoin qu'elle qu puisse jouer assez rapidement. Moi, je mettrais une vitesse là, vraiment une attaque ou une PV et une attaque ou une PV en fonction de ce que tu mets en 4. Voilà. Euh, Tozy. Ok. Tozy, très 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 bon monstre. Euh, C'est plutôt à jouer sur de la cliff, je pense, pour moi. C'est dur à, à speed tune. C'est dur à avoir des sacrées bonnes stats en vitesse, dégâts, crit attaque. Mais en attaque, dégâts crit attaque, avec un petit peu plus de vitesse, beaucoup plus de taux crit. Euh, Si tu as les mêmes stats d'attaque et de PV il va faire des dégâts vraiment, vraiment corrects. Et, et là, tu, tu vas être plutôt content. Là, tu vas être plutôt content. Tu es en bonne voie sur le Tozy. Moi, j'aime beaucoup Tozy. J'ai beaucoup de mal à le ruiner, mais j'aime beaucoup Tozy. Et euh, franchement, là, je pense que tu vas être content. Il faut un peu plus de vitesse, oui. Beaucoup plus de Tokrit. Il euh, faut s'approcher fortement des 100% de Tokrit. C'est dur à faire, mais euh, quand on y arrive après, on est vraiment content des dégâts que Tozy arrive à, à faire. Belladéon, alors il va falloir l'accélérer tu lui mets une vitesse en deux. tu lui mets une vitesse en deux, il va perdre un petit peu de points de vie mais comme tes runes elles sont pas maxées euh, je, je pense qu'il va rattraper environ euh, les points de vie qu'il a là et euh, ça va être plutôt correct hein. ça va être plutôt correct, donc il va falloir l'accélérer, c'est un break-def on a besoin qu'il vienne jouer un peu dans les premiers pour pouvoir euh, orienter en fait le choix de ce qu'on va faire sur l'ennemi donc euh, si le break-def passe on s'attaque à lui ainsi de suite on a un Véromos Ok, en Swift, vitesse PVPV, -PV. ok, cool. Euh, étant en Swift, je pense qu'il lui faut plus de vitesse. Voilà. Euh, les mêmes stats, pourquoi pas, mais plus de vitesse. Euh, à maxer, à essayer de mettre des 6 étoiles peut-être plutôt à la place pour, euh, pour avoir euh, de meilleures stats. Et pour moi, ça serait plutôt, euh, plutôt cool, quoi. Mmh, Et pas mal celle-ci. Et pas mal celle-ci. Ensuite as, tu as des, des 5 étoiles. Donc je vais euh, pas passer quoi. Euh, Konamiya, pour moi, il y a deux façons de le jouer, ou en violent ou en swift. Swift est très rapide, violent le plus rapide possible, mais euh, avec des stats plutôt euh, tanky, beaucoup plus tanky qu'en qu Swift en tout cas, euh, pour pouvoir euh, encaisser, redonner le tour et ainsi de suite. Il sert un petit peu de poaching ball, mais pour pouvoir redonner le tour, cleanse, euh, stun, et ainsi de suite, machin, tout ça. Et en swift, c'est vraiment pour donner le tour à un nuker style le chain, pour pouvoir venir faire des gros dégâts. Chandra, euh, PV, 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 c'est très bien. Si tu arrives à le mettre en violent avec beaucoup de sub-vitesse, euh, tu vas être euh, assez content. Il va pouvoir t'aider à faire en sorte qu'un de tes knuckers ne meure pas. Euh, et, et franchement, c'est bien. Après. Là, en voyant ton compte comme ça, c'est pas le monstre sur lequel je m'attarderai. Je m'attarderai peut-être plus sur un Kumar, qui va pouvoir un peu plus peut-être aider, euh, de, de par son panel de compétences, hein, tout simplement. Euh, attaque tous les ennemis avec un sort puissant de feu, 75% de récupération des PV. En défense, ça peut être plutôt, plutôt embêtant. Euh, en attaque, c'est un, bah, qui, qui, un monstre qui a pas mal de points de vie, donc c'est pareil. Et il va pouvoir tanker et, et faire plusieurs choses. Euh, moi, je préfère Ritesh, Chandra. Chandra et Kumar, je les mettrai un peu au même, au même niveau, en fait. Je les mettrai un peu au même niveau, mais j'ai une petite préférence pour Kumar pour l'anti-heal. Qui, des fois, on oublie qu'il pose l'anti-heal et du coup, on y va avec une team qui, qui se sustaine elle-même et hop, ça marche pas à cause de l'anti-heal. Et, euh, et c'est plutôt chiant. Donc, euh, ouais. D'abord euh, Kumar et ensuite Chandra, je pense, si as envie de te de focus dessus. Après, as des. Pardon, t'as Stella aussi qui est en Swift. Ok, vitesse. Oh, Ouh! Ouais. Oh d'accord, vitesse euh, taux crit attaque. Euh, c'est peut-être un peu tôt du coup pour l'utiliser. Pour Après là, elle a la vitesse. C'est très bien. Par contre, elle a pas les dégâts. Euh... Euh... Ouais, euh, il lui manque deux de vitesse, mais je... elle est pas maxée. Ouais voilà, elle n'est pas maxée, donc c'est bon. Mais euh, ouais, il lui manque les dégâts. Après les 35, euh, je ne je suis pas sûr qu'elle fera tous les dégâts na... tous les dégâts que tu envie qu'elle fasse. Mais euh, le mieux, c'est le vitesse dégâts crit attaque. Pour moi, en tout cas, c'est le mieux. Ou attaque, dégâts, crit, attaque, mais avec les 187 de vitesse euh, qui rendent la Stella plutôt cool. Quoi. Je ne sais pas si c'est le palier 187, mais moi, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'elle commençait à faire de gros dégâts. Donc, euh, je l'ai toujours après laissé euh, dans, ce, dans ces environs-là. Ensuite, on a une petite sonnée euh, qui peut énormément t'aider en TOA, mais il lui faut juste un peu plus de vitesse. Elle est en désespère. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, je ne suis pas contre. Euh, PV, PV, mets une vitesse en deux euh, pour, euh, pour qu'elle puisse euh, avoir plus de vitesse, quitte à perdre un peu de PV ou des choses comme ça, au moins ça sera euh, plus intéressant. Tu as une autre AOE aussi de dos donc ça c'est plutôt cool, une petite Julie, ça je valide. Hein. Euh, attaque, dégâts crit, attaque je suppose. Euh, tu vises les 85 de taux au minimum, et puis un maximum de dégâts crit et d'attaque et le but c'est de la faire jouer donc pourquoi pas la coupler à un Konamiya ça peut marcher. Ensuite, tu as la petite chance là d'avoir les les uh, Chakram Boomerang ici. On a quoi On a Talia, Sabrina et on a aussi Shaina. Oh là là, Shaina c'est fort. Hein. Shaina c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup. C'est celle que je visais pour l'event et j'ai eu Maruna. mais uh, mais voilà, je vais pas je vais pas je vais pas te dire le contraire, je suis content. <laughs> donc OK, bah ça, ça bah, tu peux les monter, c'est pour le Necro. Euh, pour le DB, pour le necro, ça peut très bien marcher, je pense qu'il y en a qui marchent aussi très très bien pour la TOA Notamment pour des boss ou des choses comme ça, des contrôles d'ATB, donc euh, bah, voilà, ça, ça vaut le coup Je vois que t'as une Juno qui est là euh, Juno c'est plus pour les défenses, euh, là je te dirais plus pour les défenses GVG ou arène, Parce qu'au début tu vas pas forcément l'utiliser en attaque, à part pour du RTA peut-être mais en défense, donc c'est pas le monstre auquel tu vas te focus tout de suite. Quand tu vas commencer à vouloir monter en arène, tu la montes, tu la mets en défense. À cause de son passif, ça va être plutôt chiant. T'as une petite Lisa aussi. Alors ici, on a quoi Ok, elle est en vitesse PV-PV. PV-PV, attaque. Donc vitesse PV-PV, euh, il faut essayer de lui mettre du violent et euh, viser les 200 de vitesse. Quant à ça... Tu, tu vois pour le reste, les 70 de Res euh, et euh, un petit peu de précision pour venir poser le glancing. C'est surtout moi que j'utilise l'ISA pour du red euh, R5, RK R5 quoi, voilà. T'as un petit Trevor, un jouet, te concentre pas dessus pour le moment, voilà. Pour moi, pour moi Trevor c'est un très bon monstre, hein. RTA ça marche très très bien et tout ça, mais euh, Trevor c'est pas tout de suite. Euh, clairement c'est pas tout de suite, t'as déjà des monstres plutôt bien, t'as des farmers qui vont pouvoir faire beaucoup de travail, donc euh, c'est pas le monstre que tu as besoin tout de suite, c'est quand tu vas être à la recherche de knucker euh, mono-cible euh, pour venir éliminer tout de suite une menace, euh, c'est là où tu seras content d'avoir ton petit Trevor. Donc garde le de côté, mais c'est là où tu seras content. Quand tu vas t'intéresser aussi au Rift, tu vas être content que Trevor en vampire puisse, euh, puisse euh, tanker euh, en front. Et ça, ça change un peu la vie. quoi. Donc, Ouma, on en avait parlé. Tu as un petit Bernard. Ok. D'accord. Euh, on est à quoi On est à 220 de vitesse, 230 de vitesse, un truc comme ça euh, C'est bien. Après, c'est comme Megan, C'est un booster ATB. Donc, plus la de vitesse, mieux c'est. Vitesse PV-PV Ok, non. Vitesse, attaque, PV. Donc, pour moi, c'est bien. Tu as déjà compris qu'il fallait aller chercher la vitesse sur, sur ton booster. N'hésite pas. Si tu as des runes qui ont. Euh, si tu peux lui mettre encore plus de vitesse. Euh, elle a quoi par exemple celle-ci Est-ce que tu as une rune par exemple Je sais pas, au hasard. Euh, on était sur de Swift. Donc là par exemple celle-ci elle pourrait peut-être être déjà mieux. Euh, juste si elle te fait un proc euh, vitesse dessus, elle peut être déjà mieux. Tu vas augmenter un petit peu ta, ta vitesse sur le Bernard. Euh, D'ailleurs, la rune qu'on vient de voir, euh, potentiellement tu peux avoir euh, 16-18 de vitesse, je crois. Euh, ça pourrait rendre ton, ton Bernard euh, un peu plus rapide. Beaucoup plus rapide. T'es un Mav, très bien pour la TOA, que tu peux euh, 6 étoiles quand tu commenceras à la Hard si tu veux et que tu n'as pas tous les monstres style Rika, machin, tout ça, pour pouvoir, euh, pour pouvoir terminer euh, le tout. Une petite Etna, bah, c'est très bien, par contre, euh, d'espère euh, volonté, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, pourquoi pas. Euh, vitesse Tokrit euh, PV, euh, ok. Euh, il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vitesse. Hein. Etna, c'est comme un booster ATB. Il faut je vienne jouer en premier pour venir contrôler un monstre. C'est le mieux que j'ai trouvé, moi, en tout cas, pour euh, jouer euh, une Etna. Euh, si moi, je la jouais, je la, je la ferai jouer le plus vite possible. Voilà. Euh, T'as une Katarina, euh, j'ai vu une Chloé. Donc, ça, c'est très bien. T'as un, un petit combo qui est là. Euh, qui est juste là. Oh, deuxième galion. Euh, petit combo qui est juste là. Euh, qui, qui peut être plutôt marrant qui peut être plutôt marrant. Après, la speed tuner, mais ça peut être bien. Tarina, je te conseille de la garder. Miyang, c'est un monstre à garder. En raid, couplé à Lisa, ça peut être très 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 bien. Euh... Tu as Mantura, Dia... Mantura pour la ToA Hard, ça marche très bien. Si tu veux le 6 Star pour le faire, ça marche Oh, ta Basalt, tu as Basalt, oh, un troisième du Mais dis donc, c'est la fête. Le chilling du bas, donc ça c'était ça. Pour le, pour le DB, si tu as envie euh, de commencer à accélérer un petit peu, de safe un petit peu plus tes runs, euh, vitesse dégâts crit attaque ou vitesse dégâts crit PV pour qu'ils viennent peut-être plutôt strip, euh, ça va fonctionner et euh, tu, tu seras content. Style euh, une team avec euh, un Théo Mars dedans, euh, pourquoi pas une Stella, mais skill up au moins sur 103 euh, avec euh, ton Galion pas forcément violent pas forcément besoin euh, tu peux sortir bois et verdé ça va fonctionner donc euh, ça va pas être safe au début mais ça va fonctionner donc euh, donc euh, vraiment bien vraiment bien après t'as la chance encore là je vois la brandia qui est là c'est waouh wow. c'est ça fait des dégâts plutôt forts euh, c'est assez incroyable comment c'est un leader skill de pv en arène complètement dingue euh, ouais bah tu as de la chance, tu as de la chance là hein, sur, sur ça. Brandir, franchement, c'est plutôt fort, moi j'adore. C'est plutôt late game, mais voilà. Après, au niveau des monstres, si j'avais un petit peu l'ordre des trucs, moi je me concentrerais peut-être euh, d'abord sur euh, l'optimisation de mes teams GBDB, euh, Necro. Si tu veux utiliser les chakrams Boomerang en Necro, va falloir aller chercher peut-être des stats un peu plus euh, un peu mieux. Donc du coup il va falloir farmer un petit peu plus le GB pour essayer de les accélérer et de leur mettre du PV d'attaque euh, pour que ça puisse tenir et faire des dégâts euh, plutôt corrects un petit peu plus sur le temps. Euh, mais euh, franchement euh, les... Voilà, je, je, je partirai un petit peu là-dedans. Je partirai un petit peu là-dedans et euh, ça, ça pourrait sûrement plus t'aider. Mais euh, en priorité, je pense que je vivrai un Kumar et à monter. Euh, si tu as envie de t'amuser, le combo Katarina Chloé qui peut être plutôt bien. Chilling, pour moi, c'est un des premiers que tu peux monter. Ce n'est pas celui qui va te changer la vie, mais c'est celui qui va pouvoir t'orienter et t'aider en DB10. Et pour moi, le DB10, c'est un petit peu une petite clé de réussite quand on arrive à faire le DB10 en automatique tout le temps, et d'avoir très peu de fails sur les runs, c'est là où on se dit que ça commence à fonctionner euh, plutôt bien. Donc moi, je montrais euh, les monstres PVP tels que Kumar, Etna. Euh, pourquoi pas les Boomerangs et Chakram, bien entendu, mais je montrais Kumar, Etna et Chilling pour pouvoir euh, diversifier un petit peu le tout et euh, m'amuser un euh, même si as, tu commences à avoir pas mal de monstres, mais euh, m'amuser un petit peu avec, euh, avec le PVP. Euh, même à ce, ce niveau-là. Et Kumar Chandra, hein, même les deux, même si Chandra va pas euh, te changer la vie, en tout cas peut-être à ton niveau. Il va pouvoir protéger un de tes cœur Et ça, c'est pas négligeable. Surtout quand on a Syrah, c'est pas négligeable. Donc voilà, bah écoutez, on va passer maintenant les amis euh, à la semaine. J'ai pas vu, je me rappelle pas s'il y avait du... S'il y avait des monstres en, en entrepôt. On a. Ok, ok, un maître DDO. Oh, Laura, est là. Un Tark, Shannon, tu T'as un booster Tokrit, là. C'est très bien, ça. Invincibilité Tokrit. Donc tu pourrais même le mettre à la place de Chloé pour le jouer avec ta Katarina. Et hop, c'est plutôt cool. T'as aussi un Anubis. Emma, Emma c'est plutôt fort. Un hein. buff def, ça peut, ça peut aider. Euh, pas mal de trucs. As... Oh, bah t'as Waii. T'as une Waii aussi ici. T'as Xiaolin. Ouh, mais t'as du travail, hein. T'as pas mal de travail, t'as déjà un Adrien qui est là. Imesetti, oui, ok, qui est là en fait. T'as un Foucault aussi, que moi j'utilise euh, particulièrement en, en dé Oh Oh là là Bah t'as un monstre tout tracé pour le nécro là. Ça c'est un monstre à monter pour le nécro. Quand tu vas t'intéresser au nécro, monte-le. C'est un monstre que tu, vas... que tu vas adorer. Son passif est plutôt cool. Lance trois tirs. Voilà. Je vous laisse lire, hein. on est d'accord on est d'accord. <laughs> donc, euh, non, c'est vraiment, vraiment plutôt cool hein, comme, comme monstre. Hein. Euh, ok, après, on a, on a des liches. Donc, tu as de quoi skill up aussi. Tu un Rigel qui est là. Donc, t'as as, as de quoi te faire. t'as de quoi faire. Un autre Foucault encore. Hein, ok, t'as farmé formé les hachouages, Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on a. On a une Olivia. Garde-la. Euh, Olivia, Buldo, Rakuni C'est plutôt fort. Je te conseille de, de les garder et de les monter. Ok, bah écoute, pour moi, es, tu, tu commences plutôt bien. Tu commences plutôt bien et ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Oh, la petite île qui est sympa. La petite île sympa ici. Euh, donc voilà. Ok, au niveau de la semaine, euh, bah écoutez, euh, t'es à la recherche de Orion, d'un bomber aussi, de préférence haut, tu m'avais dit. Euh, on a 5. Euh, 4 vélins légendaires, 7 vélins light and dark, 114 vélins mystiques et un ifrit. Et ben on va partir là-dessus. Euh, J'espère pouvoir te régaler, euh, d'avoir des trucs qui pourraient être plutôt cool euh, pour ton compte et Qui pourrait peut-être un petit peu aider encore euh, à la progression, même si là, franchement, tu as déjà pas mal de travail à faire. Il euh, Va falloir aller monter un petit peu tous tes monstres clés, euh, notamment la Lisa, tout ça, parce que euh, ça pas ou première étincelle, parce que ça va pouvoir euh, te faire un petit peu changer euh, l'évolution de ton compte, et ça, euh, c'est pas négligeable. Ok, à la Oh, on commence avec un petit avarice. Ok, pourquoi pas, un petit avarice, c'est plutôt cool. Euh... J'ai pas vu, j'avais pas vu encore de paladin hein. J'ai vu le sigma tout ça mais j'ai pas vu de, de paladin Et euh, j'ai pas vu non plus Xongfei. Euh, tu peux aller les faire Au, au niveau des fusions c'est des monstres qui, qui peuvent aider notamment quand on, on commence à faire du, du R5 et tout ça Ça peut fortement aider, le paladin c'est plutôt late pour s'amuser, deuxième étincelle C'est plutôt late pour s'amuser mais ok Ok Petite sirène cyclide que j'ai montée, je suis un petit peu déçu euh, de Cyclide. Euh, je je préférais... Enfin, euh, voilà. En vrai, je préférais la light et ou dark, euh, qui, qui pour moi sont bien différentes quand même au niveau du jeu. Oh, troisième étincelle, bah dis donc Ok, skill up euh, Stella. Bon après cet assassin, elle est plutôt cool. Hein. Euh, augmente. Euh, elle se bof euh, attaque au crit et puis ensuite elle vient faire un dégât et si elle tue elle re euh, cible une autre euh, cible. Euh, et elle retape et elle, elle cible une autre cible. c'est vraiment ce qui est plutôt bien. C'est un nuker. mais c'est plutôt un jouer. Euh... Ouais les games quand même. C'est plutôt un jouer les game. Ok, ensuite on a faucheuse, non, un petit lutin. Euh, sinon ça peut te servir si tu as déjà, si j'avais pas bien vérifié, mais si tu l'as déjà en, en entrepôt, encore une étincelle, euh, si tu l'as en entrepôt, du coup je la mettrais bien si tu l'as en double, tu peux commencer à skill up ta stella. Du coup peut-être la six star, une petite lapis, c'est pas, pas la fête lapis quand même. C'est pas, pas trop ce que ce qu'on aimerait avoir là. Là, franchement, c'est pas trop ce qu'on aimerait avoir. J'aimerais bien avoir euh, Orion. Donc prochaine étincelle, voilà, je, je colle le Orion. Petit Frankenstein, tu peux le garder. Frankenstein feu. Inugami, je pense que ton Bella est déjà, est déjà skill up. Je pense que ton Raok aussi est déjà skill up. J'ai vu que tu avais Zinc, euh, donc euh, c'est bien. On a vu une petite armure vivante passer ou deux là. Euh, donc euh, ouais, je, si, 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 Zinc, moi j'adore le jouer. Euh, ça anti-buff, break attack, c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. C'est qu'un qu 3 étoiles et c'est plutôt fort. Ok, est-ce qu'il y a une maladie de l'étincelle Parce que je ne je me, je me plaignais pas, mais j'ai dit, ok, encore une étincelle, encore une étincelle. Mais là, il n'y en a plus. Et, euh, et, et non, je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Je voudrais Orion. En plus, je les colle. Et comme par hasard, au moment où je colle le monstre, hop, les étincelles, elles disent, non, vas-y, attends. On va faire une pause, tout ça, ça sert à rien de te donner trop de choses. <laughs> non, ça se passe pas comme ça. Normalement, je devrais avoir Orion, là. Ok, sur, sur celle-là. C'est le 70 e vélin, je devrais avoir Orion. Non Ok, d'accord. Euh, un Bomber, s'il vous plaît Loup-garou... Euh, c'est pas trop ça, là. Là, c'est pas trop ça. Là, je suis en train de, de, de me faire mal. Non, mais... Comment Comment Il me faut une étincelle. Là. Il me faut une étincelle. Allez, allez, voilà. Là, je me sens un peu mieux. Ok, Orion, Lueur. Lueur a subi, euh, a, subi <laughs> a eu la chance d'avoir un up. Pour moi, c'est un up en tout cas. Euh, donc, déjà, il se tenait sur son 1, et maintenant, il slow et il stun sur son 2. Et ça, c'est cool. Donc, on baisse l'ATB euh, des monstres adverses, on break def, on stun, on slow. On a pas mal de contrôle. On a 20% de chance ici de stun encore. Ça commence à faire pas mal de contrôle sur un petit monstre. Donc euh, je, je trouve ça plutôt correct. Moi, le lueur, je te conseille de le garder. Moi, j'aime bien le jouer. Ah, petit fake. Dommage. Bon, après, si tu veux passer euh, zinc, 6 étoiles un jour, voilà, tu seras content d'avoir euh, fer. Hein, déjà éveillé, comme ça. Euh, cadeau qui serait offert. Donc ça serait euh, plutôt bien. Près des piquions, ok, maître ivre, pas d'étincelle, ok là on est full par contre, ok, donc on va ranger un petit peu tout ça, euh, j'aimerais bien avoir Orion quand même, hein. j'aimerais bien que Orion il, il daigne monter le bout de son nez, ou alors un bombeur. Euh, comme tu as pourrait, euh, ça pourrait fortement aider, mais du coup il faudrait accélérer un petit peu tout le monde pour être sûr de toujours passer devant quoi. Ou alors utiliser un booster ATB qui lui est très rapide. Mais pareil, il faut se pituner tes monstres à, à ce monstre-là. Donc euh, j'essaye de garder les, les 4 étoiles qu'on a eues. Euh, on a eu ça. Là, il y a un fake dedans. On a eu 5 étincelles. Ok. On a eu 5, 5 étincelles. Il nous reste encore 54 vélins mystiques. Euh, pour essayer d'avoir Orion ou alors un joli 5-Nat. Ça pourrait être sympa. Un 5-Nat, tu m'avais demandé quoi Immunité, je crois. Immunité ou un 5 notes qui peut contrôler. Et euh, c'est vrai que ça aurait été cool. Si tu avais par exemple Okeanos, ça pourrait être cool Okeanos. Vélaguel Ah, je me fais rêver. Je me fais rêver, je parle de monstres et, euh, et les étincelles ne sont pas là. Donc non. Non, comment on, Comment on, Comment Comment Cali, j'adore aussi. Cali, c'est un très bon monstre. Oh, étincelle. Ok. Et nous avons. Ah, mais tu l'as déjà, je crois. Je crois que la, boue, la guerrière boomerang, il me semble que tu l'as déjà. C'est pas ça Je crois que c'est ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une que t'avais pas, du coup, ça aurait été plus rigolo. Ah, c'est pas vrai. Ok. J'y crois encore. Je pense que. Oh. Est-ce que c'est déjà arrivé dans une semaine d'avoir deux fakes les mêmes <laughs> encore deux comme ça, tu peux, tu peux 5 étoiles, ton fer, ton, euh, ton, ton zinc. <laughs> c'est pas vrai. <laughs> Franchement, c'est pas vrai. Ok, il nous en reste encore 39 euh, mystique pour essayer d'avoir euh, <laughs> Orion ou alors euh, un bomber. Allez Là je sens l'étincelle magique qui va tomber. Le lutin champion. Oh, ok. Faucheuse. Non, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça là pour le moment. Uh, salamander salamander a pas négligé quand on n'a rien d'autre ça baisse la tb ça, ça, ça fait mal en fait c'est plutôt bien ça a du contrôle dans tous les sens hein. faut, faut pas faut pas l'oublier quand on n'a rien du tout euh, il peut être vraiment clé puis d'ailleurs en Theo hard il est plus que clé encore un fake euh, c'est low cette fois Low. Euh, ok c'est je ne suis même pas sûr que tu le, tu le joueras. Je préfère je préférerais avoir des étincelles que plutôt des fakes, en fait, de, de, de préférence. Il nous reste encore 25 vélins mystiques. 24. Une sorcière mystique, c'est pas trop ça qu'on veut. Un mammouth de combat non plus. Ouh, petite étincelle, Orion. Ah, je suis désolé. Je m'excuse, je suis désolé, moi je suis comme ça. J'arrive pas à faire les choses en petit, voilà. T'auras une licorne, t'auras Diana, c'est comme ça. Ça me fait plaisir, yes papa, c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà. <laughs> oh mon dieu, c'est euh, horrible en RTA. Horrible en RTA. Ok, ça. C'est le 5 NAT euh, qui est tombé. J'espère que ça te fera plaisir. Euh, je le log tout de suite parce que, bien entendu, vous, vous commencez à connaître que je suis euh, un peu paniqué lorsqu'on gagne des choses. Euh, derrière, j'ai du mal et j'appuie un peu partout et on n'est pas à l'abri qu'un jour je foute quelque chose sans faire exprès que je viens de gagner. Michel, on est au cinquième fake, je crois. Hein. Je crois le cinquième fake. Mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout quoi. Pas bien du tout. Euh, Diana, tu pourras l'utiliser en PvP. En PVP majoritairement. Euh, Apex, tu vas pas vraiment avoir de, de difficultés à la 6 étoiles. Euh, ça, ça, ça farme pas mal de choses. Euh, mais euh, là où tu vas être content avec Diana, c'est en PVP, que ce soit en GVG, euh, en arène, en défense d'arène, elle est plutôt, plutôt, bah, plutôt balèze. C'est un monstre qu'on aime pas trop en défense d'arène. Ok, encore une étincelle. Orion, s'il vous plaît Non, fumée. Ok, c'est dommage. C'est dommage, mais euh, bon, bah voilà. On n'a pas toujours euh, les monstres qu'on veut. Là, on a eu Diana, quoi. Voilà. Euh, c Au niveau de euh, préférence, voilà. Orion, Diana. Euh, Peut-être que euh, Orion, c'est un booster, ce serait bien. Non, Diana, oh, je, je ne sais pas. Euh... Non, pas d'hésitation. Diana, c'est mieux. <laughs> Diana, c'est beaucoup mieux, quoi. Euh, ok, il nous reste encore 6 vélins mystiques, les amis. 5. Est-ce qu'on peut avoir une étince... oui, l étincelle Oui, l'étincelle, l'étincelle. Orion Lueur, encore Alors, euh, une étincelle sur les 3 1 Vous pensez que c'est réalisable Non. Et là, je crois qu'on a eu deux, deux infernos d'affilée euh, au passage. On va faire un petit peu de place, du coup. On va faire un peu de place. Ah, je suis content. La Diana, j'en je, rêve pas parce que c'est le genre de monstre que je pense que j'aurais pas sur mon compte. Mais euh, c'est un monstre qui est, qui est très, 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 très fort. Et euh, qui a tendance à proc. C'est assez horrible, mais qui a, qui a tendance à proc. T'as plein de euh, Frankenstein de feu. Garde-les. Garde-les. Ah, j'en ai mis beaucoup trop. J'ai même pas regardé combien il restait de place. Ok. Euh, trois. On va remettre un petit peu. On va remettre un petit peu. La petite Diana qui est tombée. D'ailleurs, j'ai même pas vu si... Euh, ouais, c'est bon. Elle est, bien, elle est bien tombée. Oh, et petit roi, Kondak aussi. Ok. Ok Ok, il nous reste de la place, c'est très très bien, on a euh, vélins light and dark et euh, légendaire, on va essayer, j'espère réussir à t'avoir quelque chose, euh, pourquoi pas le joker dark que tu m'avais demandé euh, sur les light and dark, si on arrive à avoir une étincelle, je serai aux anges, allez, c'est parti Premier, ok, je crois que tu m'avais dit que tu cherchais aussi peut-être Eshir euh, et Jultan, qui étaient des monstres plutôt euh, plutôt... Plutôt fort. Moi j'aime bien, sur... en, en tour 4 étoiles c'est un peu violent hein, ces monstres là. En tour 4 étoiles en siège c'est un peu violent, c'est un peu dur des fois à contrer. Euh, quand c'est bien speed et que c'est bien ruiné, on a un petit peu de mal. Il reste encore 5 vélins. Euh, tu as déjà basalte, donc je, je ne te souhaite pas d'avoir euh, basalt. Lézard d'arc, c'est un monstre qui scale sur la def. Euh, c'est pas, pas ouf mais c'est pas nul non plus. C'est un peu entre les deux. Ah, tu as déjà un Montura, c'est dommage, c'est dommage. Il nous fait une étincelle, en fait, pour, pour essayer de, de, de step-up le tout, ça aurait été cool. Là. Euh... Oui, oui, tu me l'avais demandé, je crois. Échir, le voilà. Voilà, ça, c'est Échir. Ça, c'est Échir. Tu as Chloé. Échir-Chloé, euh, ça marche bien. C'est un combo qui, 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 qui fonctionne assez bien qui fonctionne assez bien. Ah, Mommy Dark, moi personnellement, j'arrive pas à la jouer, j'ai un petit mal à la jouer, donc euh, je, je, ne pas, je ne saurais pas dire. Ah, pas d'étincelle, sérieusement Sérieusement Oh là là, mais je m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je pensais avoir une étincelle là, seul dernier. Euh, pas du tout, en fait. Ok, on passe au Vélin légendaire. Euh, on cherche Orion, un bombeur, voilà. Voilà ce qu'on cherche. Est-ce qu'on pourrait avoir Orion ou un Bombeur Ok, Jojo est un Bombeur. C'est fusionnable. C'est pas le meilleur des Bombeurs, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas le meilleur des Bombeurs, malheureusement. C'est pas celui qui a aussi l'attaque la plus haute. Donc du coup... Voilà, c'est pas celui que je préférerais. Ok, c'est un Bombeur, c'est déjà ça. Mais c'est pas celui que j'aurais préféré. J'aurais préféré peut-être un, un... Un Malaka Malaka ou alors un Taurus. Euh, ça aurait été cool. Un Taurus, ouais, ça aurait été cool. Ok, Orion... Ah ouais c'est pas la dinguerie de l'année euh, une succube euh, vent je me rappelle pas si tu as Aria, ou peut-être la Dark euh, tu pourrais les skill up avec ça pourrait être cool oh chazune le nombre de personnes qui attendent chazune et toi tu l'as déjà et euh, t'en as une deuxième ou peut-être même une troisième je n'ai pas fait attention et euh, Bah ça te fera du skill up et là on a sonné encore Sonner, ouais, tu l'as déjà, j'ai vu, donc euh, c'est pas les monstres qui vont, euh, qui vont te changer la vie, quoi. Là, pour le moment, c'est Diana qui, qui, qui a fait son, son, son bac. Euh, j'ai pas vérifié les ifrits, excusez-moi. On a Mars on a Rekha il nous manque Thessarion. Il nous manque Thésar. Euh... Ouais, bah écoutez, j'espère avoir Thésarion, j'ai envie de vous dire. J'espère avoir Tesa. Let's go pour euh, Tesa. Allez, comme tous us. Régale-nous Teza incoming. C'est pas Tesa. <laughs> C'est Akamamir. <laughs> C'est plutôt dommage. <laughs> C'est plutôt dommage. Je pensais vraiment avoir Tesa. C'est... Voilà, tristesse qui m'envahit. <laughs> La tristesse est là et ça m'envahit. Est-ce qu'il a qu pour en faire ton Tozzy oh, il est fou. Il est skill up, pas presque full skill. Oh là c'est impressionnant. Ok, et eh bah ben écoute, euh, GG, GG, euh, désolé, j'ai pas eu Orion. Voilà, j'ai pas eu Orion et j'ai pas eu de bombeur à part Jojo. Mais euh, peut-être même que tu avais déjà Jojo quelque part. Mais euh, c'est un bombeur, donc tu peux peut-être essayer déjà de le comboter avec Syra Mais après, c'est pas le meilleur des bombeurs et c'est ça qui est plutôt embêtant. Donc, euh, donc euh, je, je ne sais pas. Je, je, ne saurais pas trop, euh, je ne saurais pas trop dire si ça, si ça va être worse ou pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a Diana. Et euh, là, on est plutôt bien. Euh, tu as beaucoup de travail. En vrai, tu as beaucoup de travail maintenant. Euh, je, je pense que j'ai pas simplifié non plus les choses. Euh, attends. Attendez, attendez. On a eu quoi On a eu là. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu 12 nouveaux monstres plus Akamir et Diana. Moins 4 sur les légendaires. Euh, on est peut-être un petit peu en dessous des stats quand même. C'est un peu dommage j'ai l'impression. Peut-être que j'en oublié un ou deux, j'en sais rien. J'en ai rangé. Mais non, on est peut-être un petit peu en dessous. Ce sera un petit peu dommage c'est un petit peu dommage euh, mais t'as quelques skill ups qui sont présents euh, bah du coup peut-être à garder si tu veux le essayer de le comboter avec Sira mais le truc c'est que c'est pas le meilleur des bombeurs donc euh... voilà à monter ok Et si t'as pas mieux d'ici là peut-être que effectivement ça peut être bien pour comboter avec Sira mais je, je... Voilà, je ne mettrai, mettrai pas tout dessus. Euh, mais franchement, ouais, là, tu commences à avoir pas mal de travail. Déjà, tu as les boomerangs euh, qui sont à monter, tu as un Kumar, Etna. Euh, Brandia, c'est plutôt late game, moi je dirais. Après, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est plutôt late game, c'est un monstre qu'on va, ne va pas jouer tout de suite. Euh, Diana. Euh, du coup, bah, je montrais je Diana d'abord. Hein. Je montrais Diana, je montrais ensuite Chilling. Euh, Etna, Kumar. Et puis ensuite, euh, là c'est pour comme aussi commencer à t'amuser aussi un peu, un peu en PvP, hein, comme j'avais dit. Et puis voilà, tu peux monter Basalt hein, qui va grandement t'aider pour la Tewa Hard. Euh, c'est un monstre qui, qui permet d'aider à auto euh, les vagues et tout, donc c'est vraiment bien. Euh, bah écoute, j'ai envie de te dire GG. Euh, je pense que le mot de la fin, euh, on, va, on va se mettre sur Diana comme ça. Voilà. On peut Pas, pas l'éveiller, mais euh... <laughs> franchement, je l'aurais fait. Je tu me m'aurais même pas donné l'autorisation, mais je pense que je l'aurais fait parce que c'est un poney quoi. So soyons sérieux, cinq minutes, c'est un poney. Tu as déjà Amélia et maintenant tu as, as, as Diana, euh, c'est un combo de dingue. Les deux réunis, c'est un combo de dingue. Ça va très très bien ensemble. Donc, euh, encore une fois, GG à toi. Euh, bah écoutez, moi je m'arrête là-dessus euh, sur, le, sur le petit licorne -vin. Euh, qui fait plaisir. Euh, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo semaine. On se de, de vous, avec et Faites vous plaisir sur le jeu parce que vous savez que c'est le principal. J'espère que si vous faites vos semaines, vous aurez autant de chance que ce qu'il a eu euh, et qu est ce que est ce que j'ai pu avoir sur, sur les semaines qu'on a que, que j'ai faites hein. euh, voilà, je, je vous souhaite toujours d'essayer d'avoir le meilleur. Euh, là, il y a du 5 nats en plus, euh, c'est plutôt bien. Euh, la, la licorne, c'est un monstre plutôt cool. Euh, donc voilà, je vous souhaite euh, je vous donne plein de, chance, plein de chance, toute la chance, toute la luck possible pour essayer d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit rune ou monstre. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao.